Bonjour à tous, c'est Sky. Vous l'avez remarqué, ce n'est pas une vidéo comme les autres. Bienvenue dans l'opération Maverick. Nos services de renseignement indiquent qu'un État dévoyé a lancé la construction d'un complexe clandestin d'enrichissement d'uranium au fond d'une vallée enclavée en son territoire. Nous avons ordre de le détruire avant qu'il soit opérationnel, sous condition de garder le silence sur notre implication. Notre frappe doit être rapide et mesurée. 4 Hornets de l'USS Theodore Roosevelt seront déployés. Sous couvert d'une patrouille après un ravitaillement, les FA-18 passeront sous les radars en réalisant une pénétration basse altitude sur le territoire ennemi. Après un bref passage sur les plaines, le groupe Dagger débutera son run d'attaque TBA depuis le barrage qui ferme la vallée. Les Hornets devront maintenir une très haute vitesse à très basse altitude durant 10 minutes afin de rejoindre l'objectif sans se faire détecter. 5 sur 5. Dagger 3, mic check. Il m'a chargé. Et Dagger 4, mic check. Il m'a chargé. Ok, Dagger 1 et 2, on prendra respectivement les catapultes 2 et 3. 3 et 4, vous mettez à la suite pour pouvoir enchaîner. Dagger 1 au roulage 4-2. Une fois sur place, les Hornets agiront en tandem, un tireur et un désignateur. Une première paire de GBU-24 sera tirée pour ouvrir un passage dans le bunker, la seconde apportera le coup fatal. Au besoin, les désignateurs emporteront aussi leurs bombes. D'accord, One, il est prêt. D'accord, tout prêt. Ok, j'attends ton top. D'accord, One, je mets les gaz, je shoot dans 5 secondes. L'effet de surprise, allié aux faibles compétences des opérateurs des systèmes anti-aériens ennemis, nous donne une chance de réussite. Néanmoins, la menace SAM sera toujours présente. Une fois la frappe effectuée, le groupe Dagger n'aura que très peu de temps pour sortir de la vallée, puisque des chasseurs de 5e génération décolleront sur alerte d'une base proche. Notre ravitailleur reste à disposition au large des côtes. Le retour au Roosevelt est prévu 2 heures après le catapultage. Dagger 3 prêt au départ ? 4 prêt au départ. Dagger 3-4, départ dans 5 secondes. Absent. Dagger 4, je overshoot par la gauche. Reçu visuel. Dagger 1-2, on a visuel sur vous, on est sur... on va vous croiser. Dagger 1 copy, on est à 10 nautiques, en orbite autour du PA, en main gauche, on vous attend. Dagger 1-2, on est sur vos 6, 0,5 nautiques derrière. Dagger 1 visuel. Dagger 1, je vire à droite, on va rejoindre Texaco. T'as les fréquences à nous donner après ? Affirme, ça sera la 2,5 nautiques. Ok, visuel sur le tanker dans nos 1 heure, légèrement plus haut que la couche nuageuse. Pareil. Texaco 1, Dagger 1, for ship FA-18, request securely. Dagger 1-2, vous faites le plan en premier, on prend les deuxième tour. Texaco 1-1-1-1, request rejoin. One, je pars en pré contact, 2, tu me suis après. Et c'est parti pour un tour. Contact. You're taking fuel. Ok, let's go. Contact. Ok. You're taking fuel. Transfer complete. Disconnect. Contact. You're taking fuel. Transfer complete. Disconnect. Allez Dagger, on se taille, finger for main droite. Et merci pour tout Texaco, adieu. Comme quoi ces mecs de VSR Force, ils peuvent servir parfois. Dagger, push, steer point 1. On va à la terre à 60 nautiques. Et Dagger, on descend. Oh et puis vous savez quoi, merde. Dagger, on fait une descente de combat. Avant top, les AF et on réduit. 3, 2, 8 et top, et on retourne. altitude. On arrive au target dans 14 minutes. Tiger 4, tu trailles ? Affirme. 2 à gauche, 3 à droite, 4 en trail. Tiger, fencing. 2 fencing. 1 fencing, 12.0 wet. 2 fencing, 12.0 wet. 3 fencing, 12.3 wet. 4 fencing, 12.3 wet. Lead copy zone. Et Tiger, naked wear WR, on est sous les radars. Tiger, no scold. 2 no scold. 3. 4. Vérifiez que vous avez bien la séquence 1 de programmée avec le mode auto de sélectionner pour automatiquement incrémenter les waypoints. Pour les tireurs, GBU-24 en ready et pas de contre-instruction sur la GBU. D'ailleurs, pour le fusible des GBU-24, ce sera du tail. 4, je te passerai la lead à un moment pour être derrière toi pour le tir. Option. 4, tu désignes au final ? 3 je désigne, 4 ils tirent, mais ils passent devant, ils sont que j'ai plus de temps pour l'AIS. Terre en visuel, Tiger, on passe en formation de combat. 2 3 4 Attention, c'est parti. RPM affiché, j'y touche plus. Ça va, tir 3, on arrive au barrage. Je survole le waypoint 5 dans 5, 4, 3, 2, unité, top. 3. Avec les classements de... SAM 9h. Bien sûr, WR, il ne vaut pas, on reste bas. Oui, point 8, 4, je passe la ligne. Allez-y les gars. Allez, je réduis, c'est pour toi. On passe au-dessus du vide dans 3, 2, unité, top. Et je coupe les gaz, ils sont sur la F. Je sais pas pour moi. J'avancerai pas les lignes, je serai trop occupé à faire. On est tout, 10 mètres. On rentre dans le canyon. Bombs are wrecked. Coup de flash, on continue. 4 points top. Allez! Dagger, status. En vie. 3 et 4 en vie. Impeccable, Dagger, on continue grâce. Bingo. Bingo. 3 bingo. On est deux, on entre au-dessus du réservoir maintenant. 10 secondes derrière. Solution. Voilà, notre du barrage dans 3, 2, 1, top. Toujours 10 secondes derrière. Un bec. Vertical. Vertical. Maze, le 57 teaser. C'est l'heure de se barrer, les gars. Bon, notre sud, je vous laisse rejoindre. Je ralentis les jets. C'est marrant, mais avec les bombes sous les allorments, il réagit quand même bien mieux. Bon pour toi. C'est vrai que toi, tu les as encore. Enfin, je crois, s'ils ont pas disparu. Ouais, c'est moi, ils sont toujours là. Au contraire, ouais, je... Oups. Ah, du coup, je viens pour pouvoir vous permettre de rattraper, j'ai oublié que vous avez encore les bombes. Moi. Alors, par contre, le masse maximale à l'avantage avec les deux bombes, je sais pas trop comment on va faire. On prend pas trop d'essence? Au pire, si vous êtes trop loin, vous remettez les gaz, vous verrez un petit peu de chou. On va éviter de se planter maintenant quand même. Ah, ce serait con, hein. Ah, c'était bien. Bon, d'accord, on monte. Tu dis plancher, c'est parti. Plafond plutôt. Ouais, plancher, plafond. Tu sais, le haut et le bas, selon quand on est tourné, ça change. C'est vrai que t'es pas mal retourné pendant le vol d'ailleurs. Tant que c'est pas l'estomac qui est retourné. Putain, vous êtes tous là en plus. Oh là là, je vous aime trop fort. Tiger, Nostrat, et on passe sur le 58 en QR 15 Yankee. On a le signal Charlie, c'est parti. On sort les crosses. Je confirme, tout le monde à sortie. Vérifiez bien les positions, tous vos switches, le master arm off, les contre-mesures, le WR, tout ça sécurisé, l'anti-skid sur off, la landing light sur off. Et on incline à gauche. Ok, donc je répète, il faut les deux sans les bombes à gauche et devant, et les deux avec les bombes à droite et derrière. Ok, donc à gauche, c'est qui? C'est Stark? Ah, Stark, stabilise-toi, mon top, tu break, on mettra 18 secondes, on compte 18 bonnes secondes avant de break. On est légèrement à droite du PA, donc breakez pas trop fort. Stark, top. Deux, je pack. Enfin, un, mon coup. GBU-23, j'y vais. Puissance. Ok, t'étais un petit peu bas sur la fin, tout d'ailleurs. Il pose en fait. Non. Regarde, t'as même l'équipage qui... Ah non. Ils vont sauver, non, l'équipage n'a rien à foutre. Ouais. C'est un petit peu la fin héroïque. Bien joué, groupe Dagger. Mission accomplie. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et a été à la hauteur de vos espérances. Cette vidéo, on l'a quand même pas mal teasée et c'est vrai que la réalisation a été très longue, très difficile. Jamais une vidéo n'a été aussi compliquée à réaliser, il a demandé autant de temps. Donc merci à tous les participants pour la réalisation de cette vidéo, tout seul ça n'aurait pas été possible. A partir de maintenant, je compte sur vous pour le partage, les likes et les commentaires afin de faire vivre cette vidéo. On fera difficilement mieux, ou en tout cas si on le fait, ce sera pas avant un petit moment. Et soyons fous, il y a un stick F-18 Hornet à gagner sur la chaîne. C'est dans la prochaine vidéo, vous allez voir très prochainement un concours. On va pouvoir piloter hein, quand même, faut un peu se mouiller. Mais il y a un stick Hornet à gagner, donc soyez présents. Prochainement, vous allez voir, ça va tomber sur la chaîne. C'était Skyline avec la Team Baguette et tous ces beaux participants. Merci d'être passés et bye tout le monde.